Salut à tous les amis, aujourd'hui on est là pour une ouverture de 10 boosters speed duel promis, c'est les derniers speed duel, mais enfin les derniers, c'est les derniers pour l'arène des âmes perdues. J'avais commandé une display mais j'en dis pas plus. Bref, on va ouvrir donc ces 10 boosters et on espère obtenir les cartes du valet. Alors, valet de la reine, valet du roi et ce genre de choses, et voir Harlequin, ce qui serait vraiment top. Alors c'est parti, on ouvre le tout premier, en espérant qu'on réussira à l'ouvrir du premier coup, ce serait génial. Et en premier, nous avons l'unité des magiciens. Bon. Ok, chevalier du valet, bah nice, voilà. Hein. Il ne fait plus que derrière, il est chevalier de la reine, mais non. Baou, flauberge destructrice des nuisibles, ok. Et le tombeau vide, ok. Le tombeau vide qui est une bonne carte d'ailleurs. Hein. Une bonne carte de l'époque. La prochaine. Hop. Alors, impulsion extrême. Je connais pas cette carte. Envoyez deux cartes depuis votre main au cimetière. Invoquez spécialement deux jetons. Hein, ok, d'accord. Corbeau à fouet. Buster Blader. Ça m'en fait un deuxième vu que j'en ai un. Et dragon de harpie. Décidément, qui veut le dragon de harpie, j'ai enfin mon deuxième dragon de harpie. C'est super. Ça, par contre, je m'attendais pas à en avoir un deuxième. Alors, grand mammouth de Goldfein, conscription, tigre zombie, qui est une carte 1004-1006, ouais, et chevalier enragé. D'ailleurs, j'aimerais avoir le cavalier mystique parce que j'ai buff de combat, mais j'ai pas le cavalier mystique. Ensuite, nous avons, alors, bouclier et épée, à moitié fermé, carte magie rapide. Cibler un monstre sur le pose sur le terrain ne peut pas être détruit au combat. Ce tour est aussi son attaque est divisée par deux jusqu'au. Ok, d'accord. Ouais, ça permet de se protéger. Tigre zombie et tête de chevet de serpent, qui était une vieille carte dans le deck de Kaiba, si je ne m'abuse, dans le tout premier set. Enfin, le tout premier set, non, même pas, qu'est-ce que je dis. Tout premier deck de Kaiba. Ensuite, chevalier mystique, bah nickel, celui que je voulais justement pour la fusion. Donc c'est parfait. Unité des magiciens, un autre Buster Blader et. Commandant décomposé. Bon, commandant décomposé, c'est pas la première fois que je l'ai. Je suis content, là, ça va me remplir ma collection comme il fallait. Alors, âme possédée, une deuxième âme possédée, ce qui va être génial. Chevalier du valet, impulsion extrême et dragon zombie, qui, je crois, je l'avais pas. Donc, c'est parfait pour le deck zombie, le deck de bronze. Il me reste plus que 3 boosters déjà, plus celui-ci 4. Donc, le quatrième zombie cuirassé. Zombie clown, parfait, j'ai 3 zombies, zombie cuirassé, zombie clown et dragon zombie. Diffusion ondulatoire et à nouveau un bouclier épée. Ok. J'espère avoir le quin. J'espère vraiment avoir le quin, mais bon. Buster Blader de nouveau. Chevalier du Valet de nouveau. Diffusion ondulatoire et crâne serviteur. Qui ne sert absolument à rien puisque c'est un zombie normal 300-200. Donc pas utile des masses. Chevalier enragé, encore un. Diffusion dilatoire encore, le tombeau vide et cavalier mystique, ça me fait deux cavaliers mystiques, ce qui peut être pas mal. Il me semble que j'ai deux buffs de combat. Donc faire un vieux deck, j'aime bien faire des vieux decks de l'époque. Et pour finir, le dernier booster, tigre zombie, un autre dragon de harpie, parfait. Comme ça j'en ai 3, je sais pas si ce sera utile d'en mettre 3, je pense peut-être juste en mettre 2. Charité de l'homme ordinaire et chevalier de la reine. Bon, j'ai le chevalier du valet, c'est j'ai pas eu Harlequin, mais j'ai eu pas mal de cartes. Que j'attendais, donc ça me fait quand même un bon petit paquet. On va trier tout ça, on va ranger tout ça, puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Bisous bisous, à bientôt.